compris quand je suis rentré que j'allais me faire chier. J'avais ce pressentiment qui me taraudait dans le fond de mes pensées. Un petit tilt qui me fait vibrer, qui m'a dit non, faut pas y aller. Bah moi j'ai quand même poursuivi mes projets. Et tu sais quoi, bah, c'était pas une bonne idée. En fait j'aurais peut-être mieux fait de pas rentrer. Mais bon tant pis, bah j'ai tenté. Et j'ai dit les mecs cette soirée, elle est so-so sympathique, elle est même un peu soporifique. Mec, cette soirée, elle est so-so sympathique, elle est même carrément soporifique. Elle est même carrément soporifique. Puis j'ai voulu jouer la carte de la fraternité. J'ai essayé d'insuffler un petit esprit de communauté. Un petit jeu que j'ai tenté, qui a légèrement marché. Pendant quelques instants, jeune mec, j'ai espéré. Puis finalement, ils n'ont pas accroché, ça a lamentablement foiré. Tout le monde est retourné à leur écran. J'ai regardé le temps filer. Et j'ai dit les mecs cette soirée, elle est so-so sympathique, elle est même un peu soporifique. J'ai dit les mecs cette soirée, elle est so-so sympathique, elle est même un peu soporifique. Contrer la monotonie est un sacré défi, 3 heures de silence, ça ne me pose pas de soucis. Mais carrément que si, j'adore regarder la table, on voit bien tous les petits détails. La fabrication, c'est made in Taiwan. Ça doit être la seule chose que j'ai retenue toutes les fois où j'y suis allé. Bah donc au final, j'y suis plus retourné. Et j'ai dit les mecs cette soirée, elle est so-so sympathique, elle est même un peu soporifique. J'ai dit les mecs cette soirée, elle est so-so sympathique, elle est même carrément catatonique. J'ai dit les mecs cette soirée, elle est so-so sympathique, elle est même un peu soporifique. J'ai dit les mecs cette soirée, so un peu soporifique, hein. J'ai dit les mecs cette soirée, un peu soporifique, non. I'm sorry.